Bon, j'espère que le micro marche. Alors, on est ici, bien sûr, pour dessiner. Je vais colorier ce dessin. Alors, j'avais commencé par faire un sketch comme ça. Après ça, j'ai fait un line. Alors, on va enlever le sketch en dessous. Alors, le line est en multipli. On va sélectionner une couleur pour la peau. Parce que je vais commencer par faire la peau. Ouais. Alors, je vais choisir un truc un peu foncé. Et je prends un brush plat pour venir l'appliquer. Comme ça. Alors, si mon brush déconne, c'est vraiment parce que ma tablette n'a pas les bons drivers pour Photoshop. Et c'est con, mais c'est comme ça. Alors, on fera une couleur plus pâle pour venir faire des highlights. Et je veux faire de l'ombre comme si c'était son comme si son chapeau lui faisait de l'ombre. Alors, j'espère que le son va bien sortir. Oups, j'ombre. Comme ça. Ensuite, je passe ici. Comme ça. En dessous du nez. Alors, je colorie en dessous du calque, du line, mais en fait, après, je vais repasser par-dessus. Parce que je veux pas un dessin avec un line, je veux un sans line. C'est pourquoi. Le line ne sera plus. La 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 la. Alors, on peut venir chercher un peu plus de vert pâle. Ici, un peu d'un coup comme ça. Ensuite, on va vouloir faire les cheveux roux parce que la rousseur c'est bonne. On prend ça un peu plus rouge, peut-être plus fade. Ça. Et oui, tout sur un layer parce que j'aime pas me casser la tête. De toute façon, c'est l'aplat des couleurs, donc on s'en fiche. Parce qu'après ça, on va risque de repasser dessus sur un autre calque. Voilà pour ça. Bon, on va faire la même chose encore.
On va venir. C'est à partir d'ici. J'aime utiliser le brush plat. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis revenu sur Photoshop plutôt que rester sur Sai. Parce que c'est pratique Sai, mais ça n'a pas de brush plat. Puis je préfère vraiment utiliser un brush plat la plupart du temps. Bon. Ensuite. On va faire le ici. Et je le veux bleu, un peu vitreux. Comme ça. D'accord. Je vais quand même venir passer ici un peu, faire de la lumière sur le côté. Augmenter encore un peu la luminosité sur les mèches qui sont pas ombrées par le chapeau. Oups, ça dépasse un peu. Alors, ensuite, on va faire le chapeau, tiens. Un bon petit chapeau de paille, rien d'extraordinaire. On efface un petit coup. Puis ensuite, on va prendre le dessus du chapeau comme ça.